Radio-Télévision Caraïbes, bonjour, bonsoir tout le monde. Et j'en ai regardé là, nous dans la citadelle La Ferrière. Nous allons faire une visite guidée avec un responsable, un monde qui fait ça chaque jour. Nous avons une chance de rencontrer. C'est un guide touristique, c'est M. Gaba qui va nous faire tout. Citadelle là, aujourd'hui, il y a un plaisir avant même que nous rentrions, Monsieur Gaba, comment nous sommes en forme? Eh bien, en forme, Radio Caraïbes, nous avons regardé, donc nous sommes bien contents de venir dans Citadelle l'après-midi. Hein. Donc, pour nous, en live, pour que nous fassions tout le monde une chance de jouer de gros merveilles que nous avons là. Parce que nous connaissons Radio Caraïbes, Radio Télévision Caraïbes, tout partout. Donc, tout le monde a une chance de tirer gros profit de ça que nous avons fait là aujourd'hui. Hein. Alors nous allons visiter avec téléspectateurs internautes nous yo un plaisir encore pour nous retrouver là, c'est pas un bail qui fait chaque jour en partant qui miracle qu'il faut là, c'est pour Haïti Puzzle qu'il faut là ou bien ou toujours là chaque jour. Et effectivement, moi-même, son guide touristique qui est très actif, non seulement sur le site ça, ou du moins sur le parc national historique sans souci, mais qui travaille tout partout dans le Nord, le département Nord. Donc, pour que nous fassions promotion touristique, pour que nous accueillions visiteurs, nous, donc nous faisons nous tremper dans l'essence, ça que nous gagnons là. Donc, l'autre fois encore, Haïti Puzzle mène nous là, donc pour que nous ne pas là, tout le monde l'école, yo, champion, yo, et tout l'autre monde qui était accompagné de Haïti Puzzle. Et pour radio, téléspectateurs, auditeurs, téléspectateurs, ils ont une chance de vivre ça, nous, on voulait présenter aujourd'hui à eux. Alors nous allons commencer avec Toulon et je passe au micro parce que là même moi filmer c'est pour expliquer mon yo espace là et là qui côté nous y a je suis rentré officiel citadelle là. Et effectivement pour citadelle là il y a deux rentrées. Ou bien on rentre là ou bien on sorti là ou bien on rentre de l'autre côté hein, parce que c'était pour la guerre, il y a pas de construit à Campil en pile porte et là nous dans entrée principale là. Donc au cas remarqué grand pile boulette canon dans zone ça là tu gagne à peu près 50 000 boulettes canon de tout calibre en pour en citadelle là. Parce que non seulement citadelle là, c'est plus grand fort qui gagne pour toute Amérique là, ou du moins encore plus célèbre musée à canon à travers le monde là, mais c'est seul fort tout côté appliqué principe construction de plus grandes écoles européennes de fortification. La première école, c'est l'école de Vauban. Vauban, qui était commissaire de guerre Louis XIV, d'après Fort Vauban construit, il est assez bas, tant que ça va garder l'autre bon, mais assez pétou pour que vous placez moitié derrière et puis vous tirez en contre-plongée pour atteindre 2 km. Et c'est ça que fait, vous avez utilisé gros boulettes de canon et que vous rempli avec petit boulettes et puis poudre pour faire exploser. Et les appliquer principe de construction et Montalembert on de Stadella, ou rencontrer des murs qui fait plus de 5 mètres d'épaisseur. Donc alors moi-même si mesure 1m90, imaginez 5 mètres d'épaisseur sans vide, et mais c'était pour la guerre, c'est pour ta qu'à protéger Stadella contre boulettes canon et du feu tout. L'autre école là, c'est l'école Montalembert qui fait appel à une construction en bastion. Là nous parler de construction en bastion, c'est-à-dire pour une protection mutuelle. Ou après toute Stadella il construit en deux bords, c'est-à-dire si bord ça attaqué, l'autre bord ca défendre ni. Et mais à cause de hauteur murio, les en train de Stadella, ou après en de chaque bastion, on sort des puits d'aération pour attirer l'air et pour éviter sobriété et tout en cas du feu pour l'extinction facile. Donc c'est ça que fait Citadelle là, et pour toute fois qu'il y a pour Amérique là, c'est dans Citadelle là seulement que on a chance d'appliquer principe de construction et des plus grandes écoles européennes de fortification ça. Et ça n'a pas gardé là, c'est l'école, c'était l'hôpital militaire de York Citadelle là, c'est l'hôpital militaire. Mais malheureusement nous pas ka wè là, là nous campé dans Citadelle là, c'est montagne qui pi wa gagne de l'autre fois. Yo tout c'est pas via Saint-Raphaël pour passer.
c'est Fort La Crête et Fort Trois-Rivières. Accès assez difficile. Imaginez que après l'indépendance pays, ancien esclave était construit ça, mais accès assez difficile qu'on y a pour nous. Parce que dans moi, avril, on a essayé de monter. De Saint-Raphaël, nous prenons à peu près 4 heures de temps pour nous arriver là-dedans. Mais assez délabré, malheureusement, parce que l'orage et coup de foudre tombé sous yo, et puis, nous avons planté patates, mais assez délabré parce que yo accès au difficile. Et donc, mais ça, c'est ça constitué entre Citadelle là. Citadelle, ça a été réalisé par Henri Christophe sous demande et premier président payant, qui c'était Jean-Jacques Dessalines, qui était pour ordonnance le 9 avril 1804 pour demander généraux pour construire fort un peu partout dans le monde pour protéger payant contre un éventuel retour des Français. Et mais c'est ça que fait là, Henri Christophe a entrepris une construction en Citadelle ça en 1805, et jusqu'à ce que Christophe mourit en 1820, en construction et pas fini. Donc là, nous, après entrer et en dans Citadelle dans Konya, se remarquer et lumière là pas même gens. Donc c'est n'a pas entendre dans Citadelle. On t'a parlé tout à l'heure de puits d'aération pour attirer et lumière en dans Citadelle pour éviter sobriété et en cas du feu aussi, on peut atteindre du feu ça facilement. En dans chaque bastion, on puits comme ça pour attirer lumière. Et Citadelle a résisté à tremblement de terre 7 mai 1842, qui était détruit 3 cas dans le Vilo Cap et qui était laissé en ruine par les sans souci. C'est parce que, contrairement à l'autre bâtiment, Citadelle a été construit sous roche. Et mais c'est ça qui fait qu'on était obligé de tailler roche, puis on a érigé mur non bon côté. Et mais les tremblements de terre là, il pas qu'à secouer, il était qu'à résister à tremblement de terre là. Et aussi, c'est à l'aide de épaisseur un mur. Donc, vous avez remarqué en dans ça tout, où est une bouteille, où est une bougie que mon Dieu lui met. Et mais ça sont lieux de pèlerinage au goût ferraille. Alors, dans tant la colonie française, qui c'était chrétien catholique, ils ont forcé esclaves pour aller à l'église. Même si mettre là forcé esclaves pour aller à l'église, ils sont obligés d'aller. Mais derrière chaque saint patron, esclaves là lui-même, ils adoraient propre divinité vaudouesque. Et mais les nous boy ici c'est Saint Jacques Majeur, parce que nous tout peuple à la plaine du Nord, les hommes dans l'église qui est Saint Jacques Majeur, et bien eux-mêmes ils ont adoré Ogou Ferraille, qui c'est Dieu de la guerre. Et mais puisque là c'est une fortification, et mais c'est ça que fait là gamin qui vini là au lieu d'une simple visite, mais ils viennent pour un pèlerinage vaudouesque. Ils viennent pour venir jeter de l'eau, ils viennent pour venir lumer baleine non sans ah ils viennent pour venir honorer adorer Ogou Ferraille en dans force à même. Alors tout ça yo lié ces cultures, nous pas qu'à jeter yo. C'est ça que fait ouais. Les fêtes champêtres yo tous les deux moun rendez-vous. Ni chrétien ni vaudouisant, tout moun là, yo pas venu pour même cause. Par exemple Milo qui gagne tout près nous là qui gagne Immaculée Conception, et mais les vaudouisants venu, il pas venu pour Immaculée Conception, il venu pour Azuli Danton. Donc ça veut dire chaque moun gon mission. Et là où est fête champêtre, ou bien en dans les moun vini dans le stade là, là où tout le monde ça a vini, parce que en pile fois moi-même mené visiteur là, ou pas vini surtout pour visiter, ou pas vini pour histoire, mais yo vini dans l'autre aspect. Donc ça, et n'a pas entré dans la cour citadelle là. Le 23 août 1818, t'es un accident dans citadelle là. Poudrière intérieure là t'es explosé avec à peu près 100 soldats. Et particulièrement, ça a écouté la vie à gouverneur royaume qui c'était beau-frère, Henri Christophe. Non, monsieur, c'était Noël quoi la vide. L'explosion était tellement forte que il était arrivé à identifier seulement botte et pied gauche gouverneur là, c'est à l'aide des bottes qu'il était porté. Et symboliquement, il a enterré jambe gauche là dans un gros tombe ça. Quoi regarder là. L'explosion, c'était à 23 août 1818. Donc là nous dans la cour citadelle là. Donc au cas où pièce canon en fer et yo un petit peu rouillé, le fait que l'air humide agit sur yo. Et là nous dans boulangerie. Nous dans boulangerie citadelle. Et mais pour me dire c'est un espace qui était assez bien concevoir.
et dans la mesure où c'était un bastion de résistance, c'est-à-dire après tout, ils ont construit sous monde, c'est comme des bastions de résistance. En cas de guerre, par exemple, dans ce stade-là, on a massé 2 000 à 5 000 personnes dans ce stade-là pour les nourrir, protéger pour une certaine période de temps, surtout dignité à royaume. Eh bien, ils ont conçu avec une boulangerie, une cuisine, un moyen pour collecter de l'eau. La pluie et tout ça on a regardé là et en face nous là c'était dortoir donc tout ça c'était dortoir c'est-à-dire c'était une très 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 bonne conception pour citadelle donc il n'y a pas été négligent rien même tout ça c'était des dortoirs donc pour la construction donc là côté m'a monté là m'a pas qu'attendre pour que m'arrive pour que amène nous nombreuses histoires qui assez important et puis non seulement pour histoire en tout mais c'est une des plus belles vues que n'a pas jamais eu chance et vivre et parce que là assez agréable les arriver dans l'espace ça ou pas envie et descendre là c'était cheminée pour boulangerie, c'est cheminée pour boulangerie. Et nous presque arrivés d'un côté Mabdou là, mais au cas où toute dimension dortoir qui te gagne pour citadelle. Alors m'a mené radio télévision Caraïbes dans espace qui assez agréable. Imaginez que vous trouvez et à plus de 970 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer et il y a l'autre monde qui a dit plus de 3 300 pieds d'altitude. Donc, au cas où le paysage ça, au cas où la verdure ça, dans quel contexte on va classer ça comme patrimoine mondial de l'UNESCO? Et dans le contexte où on construit en tout, et de là, nous avons la baie de la Cule. Baie de la Cule, historiquement parlant, c'est le deuxième côté que Christophe Colomb est venu avec trois caravelles, la Pentananina et la Santa Maria. Premier côté, c'était Mol Saint-Nicolas, mais les rives de Mol Saint-Nicolas n'ont pas trouvé personne. C'est les rives dans la baie de la Cule qui ont rencontré Taïnos, et négocié avec eux, principalement chef qui était Guacanagari. Ils ont changé Mosso en Mosso de Miwa. Ils ont aussi Mosso Miwa et puis ils ont bon l'or. C'est dans la baie de la Cule l'autre bord. Mais là, au cas où aqueduc ça, parce que pour hauteur là et roche tout, il n'y a pas de cas forêt, puis. Dans l'espace ça mais tout tête citadelle ouais on construit avec des aqueducs ça yo yo collecter de l'eau la pluie et puis dans chaque extrémité yo gen trou qui quitte de l'eau la pluie en descend qui drainer dans citerne yo qui interconnecté graduellement pour recevoir de l'eau la pluie on remarque combien ingénieux combien était en ça c'était des vrais génies donc et puis laisse tout citerne yo fin plein si, et puis gen trou qui voyait de l'eau dans un grand canal dehors pour pas papier en dessous là et puis on partit dans de l'eau ça tout est drainé dans toilette yo pour évacuation des déchets et c'est dire c'est d'où toilette à évacuation de déchets a déjà existé sous temps Christophe et donc c'est ton assez très bonne conception en dessous là donc ingéniosité que mon yoté utilisé c'est un bail extraordinaire donc Mais non,
dans l'autre espace qui est assez agréable. Et stratégique tout. Et de là nous ka wè et Dondon et puis nous wè Grand Rivière du Nord en rivière la Capé serpenté l'autre bord et puis nous ka wè Limonade nous wè quartier Morin côté nous est là et bien bord mer de Limonade wè les caravelles sont sorti l'autre bord dans baie de la Cule et bien traversé au cap et puis au rivé l'autre bord là dans bord mer de Limonade et bien yon nan bateau était échoué l'autre bord. Santa Maria était échoué et Botme de Limonade. Mais c'est avec vestige Santa Maria que Espagnol yo réalisé première construction européenne dans les Amériques. Qui c'était un petit fort qui était le fort de la nativité, la natividad. Et Christophe Colomb qui était 39 soldats dans un petit fort, ça allait retourner l'autre bord avec spécimen qu'il trouvait là yo. Et bien, les Tounais ont été massacrés parce qu'ils ont commencé à faire méchanceté avec les Indiens. Et bien, ils ont massacré les Pagnols qui ont été dans le fond. Dans le même espace, ça, tout, ils ont été construits. Et on a pu l'ancienne ville européenne en Amérique, sous nom de Puerto Real, qui a été construite en 1503. Dans le même espace, là. Mais ils ont abandonné la ville ça, en 1578. Donc, c'est maintenant le même espace. Ils ont gardé l'autre bord là, sous bord de mer de Limonade. Là. Et ça son espace stratégique parce que en cas de guerre si ennemi yo ta remé avancer vers stade là et mais pas que côté yo ta va venir pour que soldat yo qui là pas ta ka repérer yo et puis pour accueillir yo avec boulette canon mais si yo passé dans partie sud stade là m'a regarder derrière là si yo passé dans partie sud stade là à cause de monde qui derrière et mais yo ta ka arriver dans stade là plus facilement là yo a construit stade là et mais yo réaliser toute faiblesse que partie sud là gagné et mais ça nèg yo fait yo construit fortification ramier l'autre bord yo construit avec quatre redoutes pour placer sentinelle et avec des ponts le vite pont le vieux c'est des ponts que yo ka ralé monter avec des chaînes et pour empêcher accès facile à ennemi yo et ben yo te construit tout un appartement pour reine dans l'autre bord reine Marie-Louise quoi David donc nous ka regarder fortification ramier l'autre bord donc mais ça son bel pays que nous devons monnayer, nous devons faire nous devons vendre davantage. Nous devons vendre par exemple, si Christophe quitte ça pour nous, bon, je pense non seulement nous gain pour nous protéger, mais tout, il faut que nous vendions. Parce que dit seulement créer parc national, dit nous créons parc national dans tout ça dit son patrimoine mondial de l'UNESCO mais s'il passe à vie moun dans zone nan, et à grand chose alors ça pas dit rien et ben c'est ça que fait là nous obligé monnayer chercher moyen vendre ça que nous gagnons là pour que moun dans zone nan il ka ça ka fait l'argent pour aider moun yo tout c'est ka mettre l'école professionnelle yo pas besoin c'est seulement cheval pour espoir cheval pour gagner si moun nan son professionnel tout il ka fait zano il ka fait barrette il ka fait produit artisanal si son peintre que il ka peint tout il ka a vendre moun yo des souvenirs donc tout ça yo ta ka aider moun nan zone nan tout donc toiture ça va regarder là il pas authentique non il pas original non yo te refait toiture ça c'est en 1984 c'est surtout Ispan qui te travaille sur lui Ispan qui c'est institut de sauvegarde du patrimoine national alors Ispan créé en 79 et là yo te votre premier décret qui créé parc national en espace protégé en 1978 mais après ça il s'est créé en 1979 il peut compter parc national mais il a été décrété un espace
on espace est protégé. Et puis, route là, on était déclaré d'utilité publique. C'est ça qui fait qu'on a commencé route ça en 79, route pour monter dans ce stade là. Et puis, jusqu'à vers 86, comme ça. Route. Eh bien, ça qui a causé gros explosion de ce stade là, c'est poudrière là. Mais poudrière là, il y a un soufre qui est un ingrédient avec lequel il a fait poudre canon, il a tiré soufre. Et bien, son coup de foudre qui est tombé sous poudrière là, qui a causé explosion. Et bien, en conséquence, vu hauteur là, il mettait tout paratonnerre ça yo en de stade là pour protéger bâtiment contre l'orage, hein, pour éviter que foudre tombe sous bâtiment. Et bien, c'est ça que fait. Les nous visite, les m'ta visite Fort La Crête, Fort Trois Rivières qui trouve au tête Saint-Raphaël, et ben habite riverain yo déclaré que presque tout en foi fin crasé à cause de coup de foudre. Et ben il a vu hauteur là, et ben ça a tiré coup de foudre. Donc les musées canons qui ont de ça a fonctionné, ou qu'on passait là aller dans le musée, mais depuis le dernier cyclone, ils ont été non seulement bouché pour réparation, et pas parce que c'était un dommage qui causait, mais ils ont profité tout, donc fermé le musée. Et bien là, ou après tout. Il y a des canaux qui là dans le musée, ils ont exposé, explication, ils ont mis des notes pour accompagner. Mais c'est le fait que depuis la fin du 18e siècle jusqu'au début du 19e siècle, en Europe, ça qui passait, ils ont déjà développé l'industrie de fonte de bronze. Ça me veut dire pas là, les canaux qui ont été jugés obsolètes, anciens, mais démodés, ils ont été fondés pour faire des canaux tout neufs avec eux. Eh bien, nous-mêmes, ça pourquoi t'es capable là, parce que nous pourquoi t'es capable ça et fait en Europe là, pour nous fondre canon bronze pour nous faire nouveau acquis. Eh bien, ça qui est un avantage pour nous, le fait que des canons nous gagnent de ça là, ou pas besoin de aucun autre côté dans le monde là encore que en de ça là. Et avantage tout que ben nous, certainement yo après yo t'es fin construit yo ou du moins fabriqué yo, eh bien yo t'es crasé moule. Que ont été fabriqués, ça qui rend unique. Et mais ça que fait cette là, je nous dis, c'est plus célèbre musée à canon à travers le monde là. Parce que en de cette là, il y a un canon qui sorti en Espagne, canon qui sorti en France, canon qui sorti en Angleterre, et nous avons un canon là qui sorti en Italie, parce que il y a un comme ça qui encore à Naples, qui canon qui est l'affectueux. Donc ils ont commencé à fabriquer tout. Nan royaume Christophe là. Donc l'aime parler de yo, c'est pas canon en bon Dieu non, mais c'est des canons en fer qui ont commencé mouler dans arsenal Christophe là. Mais là n'a regardé cap haïtien n'a ouais assez facilement, et mais c'est ça, c'est tout ça qui fait stratégie si ça de construction citadelle. Donc yo ka recevoir des phares là, yo ka recevoir appel de cap haïtien. L'aime dit appel là, c'est pas appel téléphonique qui existait à l'époque. C'est-à-dire des émissaires qui envoyaient des signes là pour montrer si gros problème au cap, comprenez. Donc pour que jusque là vers Sadelan, il y a qu'à connaître ça qui a passé un peu en point d'alerte pour connaître ça pour y faire. Alors stratégiquement, Sadelan sont l'autre construction ça est à côté de toute l'autre fort qui existait et sous Royaume. Donc là me parler de fort qui existait, ouais, parce qu'en Haïti après indépendance, nous qu'à contrôler, nous qu'à compter et plus de 31 forts. C'est-à-dire qu'il y a des forts qui sont bon côté de la mer, forts côtiers. C'est des forts qui étaient construits par les Européens pour protéger les commerciaux contre les pirates. Quand on regarde la bassin Sahara, c'est des citernes qui sont interconnectées à toiture, citadelle pour recevoir de l'eau la pluie. Ouais, tout en dedans, ni dehors, ils ont été conçus par la citerne Sahara, avec bassin Sahara pour recevoir de l'eau la pluie. Parce qu'il n'y a pas de forêt, puis. Et vu hauteur là et watch tout qui était tout autour de en espace qui fait construction là. Et là c'est par les du gouverneur et gouverneur là qui c'était beau frère ou Christophe Noël quoi David. Et mais c'est là que gouverneur était qu'on a l'habitude de réunir avec généraux pour discuter des affaires secrètes
relative à l'administration du royaume. Et mais sans mon venir là, sans vraiment pour identifier, pour dire qu'on concerné, et mais risquer je vais nous dans cachot là, t'es en bas par les gouverneurs là. Assez fouette là, fait fouette en pile et ou obligé couper d'eau des fois si prison si cachot en chargé. Donc tout ça c'est par les gouverneurs là. Et ça qui est intéressant là tout, au cas de répétition architecture gothique là. Donc dans la construction ça là. Alors c'est pas n'importe qui construction, c'est pas n'importe qui ingénieur tout que en qui te yo parlé de Henri Barré. Donc qui en mais ça qui comme ingénieur mais en construction ça a été fait sous supervision Juan Christophe surtout parce que chaque après-midi après chantier monsieur prend chevalet donc il vient superviser, il vient superviser et construction citadelle. Donc c'est pas c'est parce que n'ayoté apprendre de vraies techniques militaires comment qu'à attaquer et comment qu'à défendre un fort parce que yoté pas oublié c'était avant c'était l'armée française les Saint-Onax venu là pour venir rétablir l'esclavage on voit yoté entraîné n'ayo comme défenseur de soldats français. Donc là c'est pour dire là que t'es explosé le 23 août 1818 là. Si vous descend en bas dans poudrière là ou ka pon odeur souffle qui c'était yon ingrédient avec lequel yo te fabriqué pour le canon et en bas débris explosion yo toujours était tout noir donc en dedans poudrière là donc les poudrières ça explosé te gen coffre roi c'est-à-dire et côté te kon mette l'or bah comme ça yo raconté que non seulement du fer te prend en pile jour mais gen l'or qui te papier tout partout. Après ça là, on mosso l'a pas perdu parce que n'ayo pas volé. Yo connaît si yo volé qui ça qui appartient yo. Et mais en dans musée hein, ou a toujours ka joindre couverture et coffre wa côté était serré l'or bah comme ça. Et couverture en dans partie musée ça, musée objet. Là. Donc tout ça là on filmé là, c'est dortoir. Tout ça c'est dortoir côté tout l'autre bon là c'est dortoir. OK et même avec le mort Juan Christophe si tu as le lampe pas achevé si tu as le lampe pas fini donc et il y a des murs qui encore témoigner ça que nous a dit là et ouais ça dit ça c'est ouais ça yo c'est notre tête citadelle là c'est-à-dire la citadelle a construit sous roche ça yo là ça qui passé au taillé c'est-à-dire construction en même faite en dans roche là donc il était obligé tailler roche ça yo pour qu'a mettre pour qu'a ériger mur yo donc mais canon ça qui devant nous là son canon anglais c'est des vestiges de guerre que oui l'aime parler de vestiges de guerre parce que l'armée napoléonienne là c'était l'armée qui était plus puissante pour l'époque là mais tout pas tout côté français ou gagne en guerre ou bien pas comme ça ils ont acheté mais il y a autre qui en France mais les napoléon voyait beau frère là l'éclair et ben et l'éclair vient à qu'on bonne ici dans tout parce que canon ça son canon anglais mais qui était fabriqué en France parce que et si vous regardez sous do canon ça ou après écrit devise de l'Angleterre en français qui c'est Dieu et mon doigt oni soit qui mal y pense donc au cas remarqué donc avec en bandol jarretière là au cas ouais ça fait en bronze donc ça fait en bronze et tout affût ça yo dans langage militaire yo relé ça yo des affûts support canon a des f u axacycoflex t ça kembe tout affût ça yo authentique yo original yo fait de bois d'acajou mais ou après il était une sorte de il était un fer sous roulant il était un fer une sorte de rail là pour faciliter rotation canon pour chercher angle et mais et là tout est des mèches de fer sous dos affûtant pour avancer et mais ça aussi servir de roule pour permettre canon avancer devant dans fenêtre dans sortie dehors et puis il est allé poudre dans toute
en de canon, vous mettez boulette lampe devant et puis gon trou là, et ben à l'aide d'une mèche que yo chauffe canon, yo chauffe poudre là assez et ben les chauffe assez et puis canon explosé. Mais pour de utiliser en de si mauvaise qualité que vous êtes obligé qu'on gros cheminée pour faire la fumée en sortie dehors et par mesure de précaution tout, yo placer canon en dans une case. Dans langage militaire ça relé une casemate. Yo placer canon en dans une case. Eh bien, au cas où canon en va basculer pour pas faire dégâts pour être en dans case là, en dans case là lui-même. Donc ça son casemate. Et ça son canon français. Et son canon français et yo sculpté bouche canon avec bouton de culasse là. Donc ouais, c'est comme si d'aga dit son on monde cap cracher du feu, c'est ça qui facilite tout rotation comme tenir pour permettre canon en roté. Ouais, sculpté tant que son monde cap cracher du feu. Donc yo relé c'est des bouches à feu oui. Tout canon ça c'est des bouches à feu. Donc ça son canon espagnol. Et ça a été imprimé ou après sous les Tripolino. Donc ça son au monde ou quand ouais c'est ça son canon. Ça son canon espagnol qui fait de bronze tout. Donc et au cas remarqué différence entre canon en fer et canon en bronze. Ou après canon en fer yo rouillé et son effet chimique parce que l'aime de ti moun l'école en t'a préparé baccalauréat ou t'a étudié effet de l'air humide sur les métaux parce que il y a des métaux que l'air humide agit complètement gagnant il pas complet et mais l'on mettez sous bronze qui sont alliés il pas agit sous lui mais sous mettez sous fer par exemple l'air humide sont composants de oxygène de l'eau et puis gaz carbonique et l'on mettez oxygène sous fer il bon Fe2O3 oxyde de fer l'on mettez oxyde de fer en présence de l'eau il bon hydroxyde de fer qui gagne pour surnom rouille en chimie c'est ça qu'il faut ouais il revient dans niveau rouille même si vous mettez gaz carbonique il va faire troisième effet il était dans ça mais si vous mettez oxygène ou bien de l'eau sous bronze il va gagner aucune réaction c'est ça fait bonjour était intact et puis vous regardez sous fer vin rouillé ça c'est chimie ça c'est effet chimique. Donc ça nous sommes passé là son canon et espagnol ça encore son canon espagnol et de ça yo c'est encore c'est canon espagnol donc ouais témoignage ça ouais faire là sous le canon sous l'affût c'est-à-dire pour permettre rotation assez facilement parce que à terre gain faire tout donc deux canons ça qui devant là c'est canon français une fois de plus. Eh bien, l'aboutissement révolution française là en juillet 1789, eh bien, les négociateurs besoin fini à royauté question royauté en France, eh bien sous objet yo, yo te retire une bonne en pointe royauté sous yo. Par exemple, yo te retire fleur de lys yo, ici là ou yo retire couronne qui se symbolise royauté hein, et là où ouais, c'est roi soleil Louis XIV. Avec le visage d'un enfant, parce que Louis XIV est pas encore même 5 ans que il était mis en loi, c'est 4 ans, 8 mois, 19 jours. Et bien, c'est pour dire qu'un enfant peut être aussi roi. Et puis, regardez Nec pluribus imper, en latin qui signifie je suis égal qu'à moi-même. Donc, qui était un slogan égoïste, on dirait, de la royauté. Et là, c'est ratio. Ultima regnum, les derniers arguments du roi. Immédiatement que le roi dit quelque chose, c'est fini. Et puis, chaque canon te gonno. Ça, c'était le défenseur. Ça, c'est le superbe. Et bien, l'autre bois, regarde, ça, c'est le superbe. Mais l'autre qui l'autre bon là, c'est la superbe. D'accord, dit ça, c'est mâle, le superbe. Et puis, ça, c'est femelle là. Mais tant qu'on femelle là, petit passé mal là. Donc, et ça c'est la superbe. Et ça c'est la superbe. L'autre là c'est le superbe. Donc, c'est des canons français. Donc, et puis derrière chaque chambre de tir, tu as des dépôts de munitions. Côté où tu as mis tes boulettes canon. Parce que immédiatement ou à tirer faut gagner boulette réserve donc
Ça, c'était des dépôts, qui ont retiré les boulettes, qui ont mis dans la chambre devant là. C'est des dépôts de munitions. Tout côté qui est fraîcheur, attiré hirondelle ou bien chauve-souris. Ça, en capri de là, c'est chauve-souris qui pas jamais pas en dans ce stade là. Donc, parce que zone en vue altitude là. Porte ça, son porte authentique, son porte original lié. Il y a plus de 200 ans là. Il fait de bois d'acajou. Oui, porte ça authentique. Donc, et puis, n'a pas avancé là vers pont levier. On a toujours pour lui original, qui fait de bronze, il a résisté encore. Ça, c'est pour lui original. C'est en bronze qui fait pour lui ça, qui fait pour lui ça au fait. Alors, des chaînes, ça sont pont levier, c'est-à-dire un pont que tu as monté pour fermer. Il te servait de pont et de porte en même temps. C'est-à-dire immédiatement, ou entrer en dans stade là. Donc, pas de moyen facilement pour rejoindre nous. Et ouais, tout système ça, il est interconnecté. Et puis, pour recevoir de l'eau, la pluie, cap sorti en l'air, toiture, citadelle. Tout ça, il est connecté de l'eau, la pluie, cap sorti en l'air, toiture, citadelle. Ouais, couleur mousseline. Donc, il fait son peinture. Donc, c'est l'humidité qui attire, mousseline. C'est ça que fait citadelle a besoin. Il a besoin de faire maintenance dans cette citadelle là sans arrêter. Parce que, à l'aide de l'humidité et puis ancienneté mûre, donc, il a toujours, il est assez fragile. Donc, c'est ça que fait Ispan. Toujours entreprendre de restauration dans cette citadelle là et puis toujours une équipe qui a fait maintenance. Pour retirer les herbes en sous-mur, donc pour balayer, parce que c'est un espace qui recevra des visiteurs 7 sur 7. Même s'il y a COVID, même s'il y a un pays lock, mais le stade est toujours recevoir visiteurs quand même. Et donc, c'est le cas, il ne peut pas quitter nous comme ça, il ne peut pas quitter nous dans le noir sans qu'il ne peut pas mener nous, font visite. Dans le stade là. Donc nous t'es rentré dans le stade là, nous fait tout le stade là. Là nous dit tout et nous t'es rentré dans nos portes, nous sorti dans l'autre. C'est-à-dire si son stade là, si c'est pour la guerre, il pas qu'à gagner en pile porte. Et c'est ça qui fait ou rentrer en côté ou juste sorti en l'autre côté. Donc Radio Télé Caraïbes. Donc, merci parce que vous êtes venu dans la citadelle. Donc, vous toujours pensé à satisfaire l'auditoire là et les spectateurs et tout. Donc, actuellement, nous t'a souhaité que nous-mêmes, nous venons toucher mieux. Parce que son marque de fierté et de grandeur pour chaque grand haïtien. Nous pas qu'à et négliger venir visiter citadelle qui c'est et puis grand fort pour toute Amérique là et puis célèbre musée canon dans tout le monde là. Alors nous disons une autre fois encore merci pour visite citadelle là et merci parce que t'es mené Mounio visiter citadelle là. Une autre fois encore c'était Zamon Gabadol Ciné qui est toujours là pour servir vous. Donc, comme professeur en histoire et encore et mon qui enseigne technique et de guidage touristique et patrimoine tout. Donc, nous faisons ça en créole, nous faisons en français, nous faisons en anglais, nous faisons en espagnol tout. Donc, nous attendons nous l'autre fois encore. Donc, comme nous avons dit ça déjà, c'est nous avons 37, 59, 26, 92 et puis 43, 85, 87, 18. Donc, ok, merci, Télécaraïbes. Voilà, nous sommes fait une belle visite avec M. Gaba. Le nom c'est Gaba Dolciné qui sont fait une visite avec nous en moins de 40 minutes, presque
presque 40 minutes en dedans citadelle la Ferrière. Nous rentrer dans porte sud et nous sortir dans porte nord. J'en ai regardé là et n'a dit ou merci encore pour fidélité ou à Radio Télévision Caraïbes. Pas oublier pour gagner visite ça, nous te gagner support toute équipe là, caméra réalisation Malaiko Sénégal, micro présentation Malaiko Sénégal et puis équipe en régie Riel Chavane depuis Port-au-Prince. Nous gagner Ronald Harold Jean, Dalmir, Junior Saint-Ange, Junior Ferdinand, Pedro, Misuel Timothée, Danaël Bidor, et sans oublier Calin Trésil, et puis toute équipe là, vraiment, qui gagne en tête li pour Internet là, Fano Kabe, et puis John Boagueneke et Jobo. Merci encore pour fidélité à Radio Télévision Caraïbes. Pas oublier non pas c'est Malaiko Sénégal et Nabzou. À très bientôt pour une autre 22 live.